Bonjour, je m'appelle Laetitia, j'ai 42 ans et je suis infirmière de nuit en neurovasculaire. La journée type, on commence à 20h30, on finit à 6h30 théoriquement, mais après avec les transmissions ça déborde toujours un petit peu. Mais voilà, c'est pas dramatique. En termes de contenu, on a les mêmes soins, on a les mêmes patients, on a le même rôle propre infirmier, on fait des changes. Ce qui est vachement agréable par contre, c'est qu'on est beaucoup plus en binôme. La possibilité de binôme est beaucoup plus intéressante de nuit et beaucoup plus faisable de nuit que de jour. Parce que on est tout le temps au moins deux dans les chambres. On n'est jamais seul. On tourne toujours au moins à deux pour pouvoir faire et le change et le soin technique. C'est vraiment un vrai travail de binôme. On en accueille de plus en plus la nuit. Elles ont toujours une appréhension de venir de nuit, par le rythme. Est-ce qu'elles vont tenir le rythme? Est-ce que ça va être dur? Est-ce que je vais m'ennuyer? Est-ce que je vais dormir? Surtout celles qui sont venues faire des nuits avec nous ou avec d'autres, ça a été hyper intéressant pour eux parce que l'encadrement, c'est pas le même. Je pense que c'est ce qui ressort le plus du tutorat, c'est « Ah oui, là l'encadrement, bah, je me suis sentie suivie ». On est entre, si je dis pas de bêtises, je dirais entre 800 et 1000 alertes à l'année. Je pense réellement qu'on en a, on peut mettre un tiers pour nous à n'importe quelle heure de la nuit. Alors beaucoup plus en début de soirée, beaucoup plus, entre 21h et 1h du matin. C'est les moments où on en a le plus. Ah, je suis très soin technique quand même. Après, là où je suis et là où j'étais avant, c'était la variété en fait de toutes les pathologies qu'on pouvait rencontrer. En fait, on apprend plein de choses. Même de nuit, on apprend plein de choses. J'ai transfusé, j'ai reçu des gens qui m'ont ému, des gens qui m'ont touché. C'est ça que moi j'aime, c'est l'échange avec les gens et les patients. C'est ça moi ma priorité dans le travail. Et c'est pour ça que je reste de nuit. Parce que moi, tous les à côté, clairement, c'est pas ça qui m'intéresse.